Voilà, c'est pour ça qu'on est encore là. Donc, on est en train de se préparer par la parole de Dieu pour grandir dans la foi, pour garder la foi, pour persévérer, pour avancer avec ce Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Father, we love you. We thank you, Jesus. Oh God, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Sois béni. Sois béni, notre Dieu. Je suis rassuré. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ou une question, peut-être? Dylan, tu as une question? Non. Tu as un témoignage? Non. Que Dieu soit béni. Nous allons partager ce matin sur un thème qui sera, on va dire, les tribulations, parce qu'il y en a beaucoup, les tribulations et la victoire. Les tribulations, les, c'est au pluriel, et la victoire. Les tribulations et la victoire. Donc, lorsque je parle des tribulations, je veux parler des tribulations de la vie chrétienne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maman, tout va bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle des tribulations, on veut parler des tribulations de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et la victoire. Nous allons prendre nos Bibles dans un texte que nous allons lire. Je vais prendre Jean. Jean 16. Jean 16, le verset 33. Quelqu'un peut nous lire, s'il te plaît. Jean 16, verset 33. Saint-Esprit, merci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut relire encore? C'est très très important. Ici c'est Jésus qui parle. C'est Jésus-Christ, le Messie, notre Sauveur, notre Seigneur qui nous parle.
Il annonce les choses. On y va au moment. Merci. Jean 16, verset 33. Mm-hmm. Je vous ai dit ces choses mm-hmm. afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mm-hmm. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. On acclame la parole du Seigneur. Merci. On va lire encore un autre texte. Comme tu as le micro, on va continuer. On va prendre Acte 14, le verset 22. Acte 14, le verset 22. Jésus dit clairement, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il dit, je vous ai dit de ces choses afin que vous ayez la paix, la joie, que vous ayez confiance en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Voilà. Mais prenez courage. Jean 14, verset 22. Acte. Et Acte 14, pardon. Merci beaucoup. Acte 14. Mm-hmm. Lisons la parole dans le livre des Actes 14, verset 22. Mm-hmm. Fortifions l'esprit des disciples. Les exhortant mm-hmm. à persévérer dans la foi. Amen. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, c'est Paul qui dit aux disciples qui venaient nouvellement de se convertir que, on va continuer, mais déjà, on peut t'asseoir un moment. Mais on va continuer après. Donc, l'apôtre Paul dit clairement que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tout le monde a lu avec nous? Amen. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant quoi? L'esprit des disciples. Donc, on ne fortifie pas l'âme des disciples, mais on fortifie l'esprit. Et le disciple, ce n'est pas le chrétien. Le disciple est plus grand que le chrétien. Vous voyez? Le disciple est comme le maître. Jésus dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Non, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, ce que Dieu vise en premier, comme on a insisté ces derniers temps, c'est l'esprit, en fait, du disciple. Vous voyez? Que son esprit soit fort, que son esprit ne soit pas faible, que son esprit ne soit pas léger. Non, que son esprit ne soit pas peureux, mais qu'il soit fort. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu prévient. Et le Seigneur, avant d'aller à la croix, il annonce à ses disciples, sachez-le d'avance que vous aurez des tribulations dans le monde. Et l'apôtre Paul va aussi insister auprès des disciples nouvellement convertis. Il les fortifie et il les encourage d'Asia, tu vois. Il les exhorte et il leur demande de persévérer dans la foi. En leur disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Un jour, Jésus était en train de marcher et il va dire à ses disciples que si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix. Quoi? Si quelqu'un veut être mon disciple, ici on dit, Paul le parle, il parle aux disciples. Et Jésus aussi, il parlait aux disciples. Alléluia! Amen. Jésus parlait non aux chrétiens, mais aux disciples. Déjà, le mot chrétien est venu après Jésus. Vous m'entendez ce matin? Donc, Jésus ne parlait pas aux chrétiens, il parlait à ses disciples. Et l'apôtre Paul aussi parlait aux disciples. Maintenant, Jésus, un jour, voyant ses disciples, voyant comment il réfléchissait, il parlait, il y avait un monsieur qui est venu pour lui dire, il va lui dire, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer d'abord mon père, et ensuite je reviendrai et je te suivrai. Jésus le regarde, il va lui dire, laisse les morts enterrer les morts, tu vas annoncer le royaume de Dieu. Un autre le regarde, il lui dit, Seigneur, laisse-moi, je dois aller dire au revoir d'abord à mes parents et je reviendrai, je te suivrai. Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde encore en arrière
il n'est pas digne du royaume de Dieu. Celui qui aimera sa vie plus que le royaume de Dieu la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour le royaume de Dieu, il la retrouvera. Si quelqu'un veut être mon disciple, il faut que chaque jour, et ça c'est trop vraiment fort, il dit chaque jour, il faut qu'il se charge de sa croix. Amen. Amen. Celui qui veut être disciple de Jésus, chaque jour il doit se charger de sa croix. Et lorsque Jésus parle de la croix, il veut parler en fait du renoncement à soi. Vous voyez, dans Jean chapitre 15, il va dire que mon père est le vigneron et moi je suis le vrai cep. Et de la même manière que les sarments ne peuvent porter de fruits s'ils ne sont pas donc attachés au cep, vous aussi vous ne pouvez rien parce que vous êtes les sarments. Vous voyez? Donc, il dit que tout sarment en moi qui porte de fruits, mon père les montre. Donc, la croix, c'est l'émondage. Vous voyez? Amen. C'est le renoncement à soi. C'est ce qu'on appelle encore le brisement. Vous m'entendez ce matin? Je répète que la croix, c'est l'émondage. C'est le renoncement à soi-même, à ses propres projets, à ses propres ambitions. Tu vois? Peut-être hier, je voulais devenir premier ministre. Je me disais, quand je serai grand, je vais faire la politique et je vais devenir ministre. Mais un jour, je rencontre Jésus. Jésus change tout. Jésus dit, non, tu seras seulement un simple ingénieur. Il faut accepter. C'est ça la croix. Vous comprenez? Les ambitions que j'avais, Dieu change. Dieu, en fait, la Bible dit clairement que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les désirs des hommes, ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la croix, donc c'est le renoncement à soi. Et c'est la croix qui va nous permettre justement de comprendre les tribulations. Vous voyez? C'est à cause de l'œuvre de la croix, de cette parole que Jésus a dit que le disciple doit porter sa propre croix, que les disciples ont compris que ce n'est pas beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Mais retenez ceci, Jésus dit, vous aurez, mais prenez courage. Prenez courage. Comme Dieu dit justement à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc Dieu nous demande quoi? C'est d'être courageux, d'être des esprits courageux, déterminés. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, premièrement, dans les épreuves, c'est le courage. Et Dieu va nous aider. Nous allons bien comprendre beaucoup de choses ce matin au travers de ces thèses, de ce message. Seigneur, merci. Ok. Lorsqu'on parle des tribulations, j'ai déjà expliqué. Non, peut-être que je n'ai pas dit. Mais si je veux définir qu'est-ce qu'on entend dans le mot tribulation, c'est un mot grec qui s'écrit T-H-L-I-P-S-I-S. Donc, si je veux le prononcer, je vais dire T-H-L-I-P-S-I-S. Voilà. Prenez-le comme ça. Mais je vous donne l'orthographe. C'est T-H-L-I-P-S-I-S. Nous sommes des Français. Donc, on a du mal à prononcer plusieurs consonnes. On est des Français. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Français ici? Amen, amen, amen. Lève la main. Amen. Lève la main. Lève la main. Est-ce qu'il y a des Français ici? Amen, amen. Lève la main. Lève seulement ta main. Ici, il y a des Français. Lève ta amen, main. Amen, amen, voilà. Amen, amen. Lève la main, prince. Il y a des Français ici. Lève la main. Toi, tu es resté Congolais? Tu es resté Congolais? Ok, bien. Lève quand même ta main. Tu es Français au nom de Jésus. Il y a des Français ici. Tu es franc? Lève ta main seulement. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, on est Français. Alléluia. Et nous, les Français, on a du mal à prononcer les consonnes qui se suivent. Vous voyez ce que je dis? Donc, on va prendre les cultures françaises maintenant. On va commencer par faire les choses comme les Français. C'est ça, normalement. On est en France, il faut être comme les Français. Il faut se comporter comme les Français. On va manger les pâtes, on va manger le riz, hein, d'assez, prince. On va manger les huîtres. On met un peu de citron. Et puis tu aspires, c'est ça, mon diacre.
Ça part. T'as pas besoin de mettre sur le, de mettre des épices, non. Non, nous on mange pas beaucoup, on mange plus beaucoup d'épices. On est français. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc Dieu veut donner ça à quelqu'un ce matin. Si c'est toi, dis amen, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Mon frère, donc, tribulation, c'est TH lipsis. Et ça veut dire, en fait, tribulation, ça veut dire affliction. Ça veut dire tourment, détresse, persécution. Ça veut dire aussi épreuve. Ça veut dire pression et oppression. Alléluia. Ça veut dire aussi difficulté en tout genre. Donc, toutes sortes de difficultés. Je répète, ce mot THLIPSIS, ça se traduit, ça peut se traduire par tribulation ou affliction ou tourment ou détresse ou persécution ou épreuve ou pression, oppression également, ou difficulté en tout genre. Alléluia. Est-ce que Dacia, tu es en train de noter? Tu as noté. Difficulté en tout genre. Alléluia. Donc, ça, c'est la définition qu'on peut donner. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. La question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu sait que c'est difficile la souffrance? C'est difficile les difficultés. C'est difficile les épreuves. C'est difficile les tourments. Vous voyez? Comment Dieu peut accepter qu'un enfant de Dieu, il soit oppressé parfois? En gros, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que Jésus lui-même va dire que vous aurez des tribulations. Mais la tribulation veut dire l'oppression ou la pression. Elle veut dire aussi des épreuves par lesquelles le chrétien ou le disciple est appelé à passer. Vous voyez? Ça veut dire aussi des tourments, des détresses, des combats, des difficultés en tout genre. Ça peut être des difficultés dans le travail, dans le mariage. Ça peut être des difficultés sur le plan social, vous voyez. Ça peut être des difficultés sur le plan administratif. Ça peut être des difficultés en tout genre, vous voyez. Ça peut être des difficultés financières, vous voyez. Des difficultés en tout genre. La question qu'on peut se poser, mes chers amis, c'est que pourquoi Dieu, qui est bon, qui est amour, qui est miséricordieux, Dieu en qui il n'y a point de mal, il peut accepter qu'un disciple puisse passer par ce genre de choses. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Amen. Faisons coucou à Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, au nom de Jésus. Merci Yahweh. Donc, pourquoi Dieu permet ça? Il y a deux raisons principales pour lesquelles le Seigneur permet. Le Seigneur permet que nous passions par ce genre de choses. Premièrement, pour nous enseigner la patience. En fait, pour nous aider à porter les fruits de l'Esprit de Dieu. Dieu nous fait passer par des tribulations pour que nous puissions porter les fruits du Saint-Esprit dont il est parlé dans Galates 5, verset 22. Vous voyez? Galates 5, verset 22 nous dit, or, le fruit de l'Esprit, le fruit, donc ce n'est pas plusieurs fruits, mais c'est un fruit. C'est comme une pomme, ou je peux dire une orange que tu prends, mais tu coupes en plusieurs morceaux. Vous voyez? On dit dans Galates 5, verset 22, que or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, vous voyez? Ainsi de suite. Donc, Dieu nous fait passer par des épreuves, par des situations compliquées, difficiles parfois, parce qu'il a un but. Le premier but que Dieu vise, c'est que nous puissions porter le fruit du Saint-Esprit. Parce que dans le passé hier, nous étions des hommes qui ne pouvaient pas porter des fruits. Nous étions des arbres morts. Vous voyez? Mais Dieu veut maintenant qu'on puisse porter un fruit. Parce que tout arbre qui a été planté, celui qui l'a planté, il s'attend à ce que l'arbre puisse porter des fruits. Oui. Et il viendra à sa saison, à la récolte, il viendra pour récolter le fruit. S'il vient et qu'il ne trouve pas de fruits, la Bible dit que l'arbre sera coupé et jeté.
Vous voyez? Donc Dieu veut que nous soyons des disciples qui portent du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Et pour nous faire porter de fruits, il nous fait passer par des épreuves. Et en particulier, Dieu veut que le fruit qu'on porte, c'est surtout le fruit de la patience. En fait, dans ce fruit-là, on peut retrouver tous les autres. Vous m'entendez? C'est un fruit très important, la patience. Parce que les chrétiens, ou je dirais l'homme en général, est impatient. Alléluia. L'homme est impatient. Caïn a tué Abel parce qu'il était jaloux, mais aussi il était impatient. Il a dit, pourquoi lui et pas moi? Manque d'impatience. Colère est venue. Il a tué Abel. L'impatience. Les hommes ne sont pas patients. Donc Dieu nous fait passer par les épreuves pour qu'on puisse porter le fruit du Saint-Esprit. Et en particulier, la patience. Regardez ce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22. Et ensuite, on va lire Jacques. Jacques, chapitre 1. On va lire Galates 5, verset 22. D'abord. Seigneur, merci. Galates 5, verset 22. Maman, merci. Comme c'est elle qui a le micro, je dis, on va travailler ensemble. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Mm-hmm. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. Et la paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. Mm-hmm. La fidélité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La tempérance. Amen. Amen. Donc on nous dit le fruit de l'esprit. Donc c'est un seul fruit. Mais dans ce fruit, on voit tout ça. Et si on prend Jacques chapitre 1, maintenant le verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. La Bible nous dit quoi? Lisons la parole dans le livre de Jacques. Verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses preuves. Ok. Continue. Auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. D'abord dit, regardez comme un sujet de joie complète. Donc, c'est comme il est en train de dire que le disciple qui ne passe pas par des épreuves, il n'est pas un vrai disciple. Vous m'entendez ce matin? Que tout disciple doit passer par des épreuves. Vous voyez? Si tu passes par des épreuves, c'est que Dieu te connaît. C'est que Dieu est en train de travailler dans ta vie. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. C'est que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Amen. C'est ce que l'apôtre Jacques veut dire. Donc, quelqu'un qui est conscient que Dieu est en train de travailler dans sa vie, il aura la joie. Vous m'entendez? Amen. Et sa joie sera complète. Il aura une joie que les autres ne peuvent pas comprendre. Il aura une joie parfaite. Parce que même dans les épreuves, même dans, dans les combats, il a la joie. Amen. Donc, sa joie est meilleure que celui qui n'a rien, mais qui a la joie. Alléluia. Vous m'entendez ce matin? Quelqu'un qui souffre, mais qui est joyeux, sa joie a du goût devant Dieu, plus que quelqu'un qui n'a rien, qui tout va bien dans sa vie, mais voilà, il a l'argent, il ne manque de rien, mais il dit que moi j'ai la joie. Non, tu n'as pas la joie. C'est comme tu prends deux personnes, lui il n'a aucun problème, mais il veut nous dire que non, j'ai la foi. Ok, on va te mettre dans le feu. On va voir si tu diras toujours j'ai la foi. Donc on reconnaît
un arbre à ses fruits. On reconnaît un vrai disciple lorsque Dieu le fait passer par le feu. L'épreuve du feu, vous voyez. Amen. La tribulation, c'est l'image du feu, en fait. Et l'apôtre Jacques dit clairement, regardez, mes amis, comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves, les diverses tribulations, les diverses souffrances ou difficultés auxquelles vous pouvez être exposé. Amen. Amen. Parce que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. L'épreuve produit la patience. La patience dans les épreuves, la patience dans les difficultés, la patience du secours de Dieu. Vous voyez, la patience en se disant que Dieu va me secourir. Et l'épreuve fait augmenter la foi. En fait, ah, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Il dit, l'épreuve produit la patience. Amen. Amen. L'épreuve produit la patience. L'épreuve produit la patience. Ça veut dire l'épreuve produit la foi. L'épreuve fait grandir la foi. L'épreuve fait grandir l'intimité avec Dieu, la confiance en Dieu, l'amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. L'épreuve fait grandir dans l'intimité, dans la marche avec Dieu. L'épreuve te rend adulte. Spirituellement, l'épreuve te rend mûr, l'épreuve te donne des ailes, l'épreuve te donne justement les vitamines dont tu as besoin pour être adulte, pour grandir. Tu quittes l'étape de bébé, tu deviens un adulte. C'est ce qu'on appelle un homme accompli. Tu deviens une femme accomplie. Amen. Tu deviens un adulte, un homme accompli. Un homme qui a les ailes de l'esprit. Un homme qui a les arts de l'esprit. Un homme qui connaît les choses de Dieu. Un homme qui n'a pas peur des tourments. Un homme qui n'a pas peur des vagues de la mer. Amen. Et tu vas découvrir les secrets de Dieu dans les épreuves. Vous m'entendez? C'est dans les épreuves qu'on expérimente la puissance de Dieu. C'est dans les épreuves qu'on reconnaît réellement que Dieu est Dieu. C'est dans les épreuves qu'on rencontre Dieu. Alléluia! Amen. On y va, maman. Verset 4. Mmh. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, hein? Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Et accompli sans faillir en rien. Amen. Amen. Merci. Donc, on va prendre 1 Pierre chapitre. 1 Pierre chapitre 4. D'abord 1 Pierre chapitre 1 et on va prendre 1 Pierre chapitre 4. Mais je veux insister encore ici sur Jacques, comme on a lu. Vous voyez, comme je disais, donc il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous deveniez parfaits et accomplis. Donc la patience nous fait quitter l'étape de non-accomplissement, vous voyez, de bébé spirituel, et on entre dans une étape d'homme et de femme accomplis, vous voyez. Un homme qui n'a pas connu les épreuves, il sera toujours peureux. Un homme chrétien ou disciple de Jésus qui n'est pas passé par les épreuves, dès que le diable va rugir, même si le diable n'a plus de dents, il va toujours trembler. Mais le chrétien qui est passé par les eaux, qui est passé par les grandes eaux, qui est passé au milieu de la mer rouge, le chrétien qui est passé par le feu de Babylone, oh my God! Même que le lion rugit, même que Nabucodonosor dit, je vais te jeter dans le feu, il n'a pas peur. Amen. Vous comprenez? Amen. Il devient adulte, il devient mature, et nous allons bien voir dans les détails tout à l'heure. Donc, on va lire 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. C'est une nécessité. Si on est ici. Vous soyez attristé pour un peu de temps
par diverses épreuves. Vous voyez? Parce que l'épreuve, il faut quand même le dire, ça peut produire la tristesse. Vous voyez? Ça produit la tristesse. On n'est pas bien, on n'est pas content. Mais dans cette épreuve, Paul l'apôtre Pierre dit que c'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant vous soyez attristés par diverses épreuves. Vous voyez? Afin que. On y va, maman. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieusement que l'or. L'épreuve de la foi. La foi qui est plus précieuse. La foi qui est plus précieuse que l'or. L'or que l'on chérit. Mais il est en train de dire que tu as une richesse qui est plus grande que l'or. Tu comprends, Dacia? Il y a une richesse en toi que Dieu a semé dans ton cœur, qui est le royaume de Dieu et qui a plus de valeur que le diamant, que l'or. Tu vois? Et il dit, hein, on y va, au moins. En parenthèse, qui cependant est éprouvé par le feu. Amen. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur de Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? Donc, si on prend 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 6, c'est fort. Donc, ici déjà, dans 1 Pierre 1, on a compris que donc, l'épreuve de la, en fait, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, les tribulations, c'est lié à la foi. C'est parce qu'on a la foi en Jésus. Parce que si tu es chrétien, si tu deviens enfant de Dieu, il ne faut pas croire que tu n'auras pas de problème. Nous ne prêchons pas cet évangile. Vous m'entendez? Amen. Ça peut arriver que tu aies des problèmes. Mais dans ces problèmes, tu ne seras pas seul. Vous m'entendez? Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu peux avoir des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, tu ne seras pas seul. Dieu ne t'abandonnera pas. Et il permet ces difficultés pour t'enseigner, t'apprendre quelque chose, pour faire grandir ta foi, pour te donner la patience, pour produire en toi le fruit de l'esprit. Vous voyez? Amen. La patience, la maîtrise, la confiance en Dieu, pour faire grandir ta foi. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Dieu le permet pour un but. Et il ne t'abandonnera pas. C'est ça qui est très important, en fait. Jésus dit que celui qui abandonne son père et sa mère et tous ses biens à cause de moi, il aura le centuple dans ce monde avec des difficultés, vous voyez, et il aura la vie éternelle après. Tout va bien? Amen. Est-ce que vous nous entendez bien en ligne? Et ils ont bloqué leur micro. D'accord, d'accord. Ok, on continue. S'ils n'ont pas mis de message, c'est que ça va. On va lire 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 6. Regardez ce que la Bible nous dit. Lisons la parole dans les livres de 1 Pierre chapitre 4, 1 à 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Armez-vous. Armez-vous. On dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alléluia. Amen. Vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est la pensée de quoi? On y va. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Jusqu'au verset 6. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution des convoitises livronneries, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendent compte à celui qui est prêt à juger le vivant et le mort. Amen. Car l'évangile
l'évangile a été aussi annoncé au monde, afin que après avoir été jugé comme les hommes, comme à la chair, ils vivent selon Dieu comme à l'esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, là, j'ai donné tous ces tests pour nous montrer, en fait, pourquoi le Seigneur permet les épreuves. C'est pour nous donner quoi? La patience, en fait, le fruit de l'esprit, en particulier la patience. Vous voyez, le fruit de l'esprit et en particulier la patience. Le Seigneur, il a un but, il a un projet. Il veut que nous ayons le fruit du Saint-Esprit. Il veut que nous ayons la patience. Alléluia. Amen. Et si vous regardez avec moi, Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. 1 Samuel 15 verset 22 à 23. J'ai dit qu'il y a deux raisons, on peut dire même trois raisons, le fruit de l'esprit, la patience, et la troisième raison, c'est l'obéissance. Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous apprendre l'obéissance. Vous voyez, l'obéissance. Et c'est ce que le prophète va dire dans 1 Samuel 15 le verset 22 à 23, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes chers amis. En tant que disciple de Jésus-Christ, je dois apprendre l'obéissance. Et ce n'est pas quand tout va bien qu'on va dire qu'on est obéissant à Dieu. Non. C'est quand ça va mal que Dieu te met à l'épreuve. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien mangé depuis le matin. Mais tu viens seul, tu sors seulement. Tu vois une belle voiture qui est en train de passer. Et le monsieur, il ouvre sa porte. Et il te fait la main. Il te fait chichi. Mais tu es disciple de Jésus. Tu viens de prier. Tu es en train de marcher. Vous m'entendez? Amen. Et il te fait chichi. Il clignote ses phares. Ta soeur, tu rigoles, hein? Et prince plutôt. Il te fait chi-chi-chi. Donc, si tu n'es pas forte, hein, tu vas céder. Et là, tu vas désobéir. Vous êtes en train de me comprendre? Parce qu'il y en a beaucoup, à cause de l'amour du ventre, à cause des épreuves, ils ont vendu leur grâce. Ils ont vendu leur talent. Vous m'entendez? Amen. À cause des difficultés. En fait, l'épreuve, Dieu le permet pour nous apprendre aussi l'obéissance. Mais l'épreuve aussi dispose l'âme de l'homme à désobéir. Parce que si tu n'es pas forte, si tu n'as pas le courage, comme Jésus a dit, prenez courage. Si tu ne fais pas preuve de courage, il faut être courageux et courageuse. Quand c'est difficile, je ne baisse pas les bras. Tu dis, Seigneur, moi je ne te lâcherai pas. Même quand je ne vois rien, même quand je n'ai pas, j'ai l'impression que rien ne marche, mais je crois que ça va marcher demain. Amen. Je crois que même quand je vais dépasser cette rue qui est là, un miracle peut se produire. Amen. Je crois que je ne dormirai pas affamé. Amen. Je crois que je ne finirai pas. Je crois, je continue de croire, d'espérer en toi, Jésus. Alléluia. Vous voyez ce que je dis? Donc, Dieu permet aussi les épreuves pour tester l'obéissance de l'homme. Comme dans Genèse, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, vous voyez, il a laissé exprès l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour éprouver Adam, éprouver son obéissance. Mais Adam a échoué à cause de Ève, qui aussi a été séduite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu permet les épreuves pour aussi tester l'obéissance, pour nous apprendre à être obéissants et obéissantes à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance est très importante. Dieu, il tient. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance à ses parents. L'obéissance aux aînés. Et l'obéissance à Jésus. Vous comprenez? Amen. Dieu tient. Qu'on soit des enfants obéissants. Des enfants soumis à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. Peut-être qu'on ne va pas le lire.
Mais vous allez le lire à la maison. Je crois que nous tous, on connaît ce texte. Où il est écrit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Donc Dieu permet les épreuves pour répondre à la question pour trois raisons, je dirais. Premièrement, le fruit de l'esprit. Deuxièmement, la patience. Et troisièmement, l'obéissance. Si vous voulez, vous notez pour trois raisons ou bien pour deux raisons. Deux raisons, fruit de l'esprit, parce que patience, c'est aussi dans le fruit de l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Donc vous pouvez noter pour deux raisons. Fruit de l'esprit, l'obéissance. Voilà. Mais si vous voulez, vous voulez séparer le fruit de l'esprit et la patience, vous pouvez noter pour trois raisons. Ce n'est pas aussi mauvais. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ces raisons-là que le Seigneur permet les tribulations. Pour qu'on puisse porter le fruit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Vous voyez ce que je dis? C'est la nature de Dieu, en fait. Donc, Dieu permet ces choses pour nous enseigner, pour nous aider. Et je veux dire à quelqu'un que ce qui est merveilleux, c'est que même dans les épreuves, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous laisse pas, on n'est pas seul. Vous voyez? On ne traverse pas les grandes eaux seul. On ne rentre pas dans la fournaise ardente seul. On y rentre avec Dieu. Et il est là. Il attend seulement que tu manifestes la foi. Et il va se manifester. Il va dire, comme il avait dit à Abraham, 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 ne touche pas l'enfant. Tu vois, je vois maintenant que tu crains vraiment Dieu. Donc Dieu était là. Il voulait juste voir si Abraham était obéissant. Si Abraham craignait Dieu. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, il va secourir. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 1. La Bible dit aucune tentation. Regardez d'abord 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8 à 11. Moi, Clarisse va nous aider. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 11. J'envoie ma parole. On va lire d'abord 1 Corinthiens 10, verset 13. Et ensuite, on va lire 2 Corinthiens 1, verset 8 à 11. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible nous dit ceci. 10, verset 13. Merci. Ils ont la parole dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13. Mm-hmm. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est fort. On dit aucune tentation, aucune épreuve ou tribulation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, ce n'est pas l'épreuve des esprits. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est une façon de dire que ce que tu peux traverser, sache qu'il y a aussi des hommes quelque part qui traversent les mêmes choses. Vous voyez ce que je dis? Ce qui peut arriver, sache qu'il y a aussi quelqu'un quelque part qui vit la même chose, mais qui s'en est quand même sorti. Il dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté, tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Vous voyez? Amen. Donc il dit avec la tentation, Dieu lui-même prépare en même temps une porte de sortie. Tu vois? Il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est fort. Mes amis, j'ai vécu ces choses. Tu arrives à un niveau où tu ne vois rien. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Devant, tu regardes, il n'y a rien, c'est noir. Derrière, c'est noir. À gauche, à droite, c'est noir. Là, maintenant, il n'y a que la Bible. Tu n'as rien d'autre que la Bible. Tu n'as que la Bible. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines, il n'y a personne. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde parle mal de toi. Tout le monde a commencé par te pointer de doigt. Tout le monde voit que c'est toi le mauvais. C'est toi le méchant. Tout le monde voit que toi, tu n'es même pas un vrai chrétien. Tu es un homme qui a échoué. Tu es une femme qui a échoué. Tu es une personne qui n'est pas digne de vivre.
Tout le monde te regarde avec un regard de répugnance. Il n'y a personne. Donc tu te dis, je fais quoi? Il y en a, je me suicide? Ou je fais quoi? Avec qui tu vas te tourner? Personne ne veut t'écouter. Parce que tout le monde a déjà une idée sur toi. Dès que tu appelles quelqu'un, il n'a pas le temps pour t'écouter. Il a déjà ses calculs. Tu n'as que la Bible. Et c'est là, quand tu prends la Bible, Dieu te dit, fais-moi confiance. Crois en moi. Vous comprenez? Dieu, il commence maintenant pas travailler ton cœur. Il travaille ta foi. C'est là maintenant que tu pries. Avant, peut-être, tu priais avec la tête en l'air. Tu priais, mais voilà, tu sautais seulement parce qu'il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence, c'est là maintenant que quand tu pries, tu es concentré. Les mots que tu dis là, tu pèses les mots au Seigneur. C'est moi. Tu vois, je pèse. Tu es sérieux. Seul, en train de pleurer à genoux, dans le noir, dans ta chambre, seul, dans ce grand bâtiment. Tu imagines, tu as une grande maison, mais seul, seul, dans cette grande chambre, seul, dans ce grand salon, seul. Tu as un lit, mais tu n'as pas le courage d'aller dormir sur le lit. Tu préfères dormir par terre, seul. Il y en a qui préfèrent dormir dans les toilettes, seul. Il y en a qui dorment sur le balcon, seul. Les gens te regardent, on a l'impression que tu portes tout le monde sur la tête. Tu te lèves, tu oublies même de te brosser les dents. Tellement que tu as pleuré, tellement que tu as... Des fois, mais tu ne sais pas quand tu as dormi. Tu te couches la nuit, le sommeil ne vient pas. Mais tu es en train de parler avec Dieu. Dieu te met dans le feu. Mais je n'ai que la Bible. Je n'ai que la Bible. Quand tu me touches, je me tourne, je ne vois que la Bible. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui libère, mon ami. Dieu te dit, fais-moi confiance. Il te dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Donc tu comprends maintenant le sens de chaque mot, de chaque mot de la Bible, de chaque verbe de la Bible. Tu commences par faire attention. Donc ça ne sert à rien de se confier dans les hommes. Dieu te dit maintenant, confie-toi vraiment en moi. Laisse-moi prendre la relève. Tu étais déjà sur le pot de la mort. La sorcellerie t'avait attaqué. On t'avait déjà mis. Moi, on m'avait déjà mis dans une marmite. Moi, on m'avait déjà mangé, je peux dire. J'étais déjà mourant. Moi, mon sort était déjà calculé. C'était ça. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, si la sorcellerie détruit les autres, moi, elle ne me détruira pas. Je vais ressusciter. Je vais me réveiller. Prince, mes voisins, des fois, ils criaient. Mais la nuit, j'étais là. Je priais, je marchais. Tu me vois, j'étais comme ça. Mes voisins ne peuvent pas comprendre pourquoi j'étais devenu comme ça. J'étais devenu comme un fou. Un fou de la Bible. Vers qui je vais me tourner? Vers qui tu vas te tourner? Tu as 40 ans, mais rien ne va. Tu as 50 ans, mais rien ne va. Tu as 30 ans, rien, aucune stabilité, aucune situation. Rien ne va dans la vie. Comment tu vas faire? Il y en a qui se tournent vers le fétiche. Il y en a qui se tournent vers les hommes. Il y en a qui se confient dans les hommes. Mais quand cet homme va te décevoir, il y en a qui sont prêts à se suicider. Mais la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dans les épreuves, il faut se confier dans l'Éternel. Il faut se confier en Dieu. Tu n'as que la Bible pour ton secours. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible est ton compagnon. La Bible est ton ami. La Bible est ton ami. La Bible est ton ami. Toi et moi, notre ami, c'est la Bible. C'est ce livre, prince. C'est
C'est ce livre qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui que tu vois. C'est ce livre qui m'a ressuscité de la poussière, de la tombe, du cercueil. Ce livre m'a relevé. Moi qui n'avais pas de viande, ce livre m'a donné la chair. Ce livre m'a donné de la... Oh my God. Tu comprends ce que je dis? La Bible. La Bible. C'est là que tu rencontres Dieu. C'est là que Dieu vient à ta rencontre. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les rejets, dans l'abandon. Regardez, on va lire, maman. 2 Corinthiens 1, verset 8 à 11. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, mes frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés. Au-delà de nos forces. Non, pas l'être faux. Excessivement. Donc, exagérément accablé. Tu as déjà vu ça? Exagérément accablé. Lui dit même au-delà de vos forces. Mais il dit dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Mais lui, je ne sais pas si vous comprenez le niveau de tribulation que cet homme a connu. Tu comprends, Prince? Il dit Dieu ne permettra pas que toi, tu sois tenté au-delà. Mais lui, il dit que j'ai été tenté au-delà même. Au-delà, wow, de nos forces. Maman, on continue. De telle sorte que nous désespérions même, de conserver la vie. Tu as déjà vu ça? Donc, tu sais que c'est fini pour moi. Tu fais tes prières, tu dis, Seigneur, reçois mon esprit. Tu sais que là, je me couche, mais tu n'es pas sûr que demain, tu vas te réveiller. Tu m'entends? Tu n'es pas sûr que demain tu vas ouvrir les yeux. Tu n'es pas sûr que demain tu verras le soleil. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Alléluia. Mana. On continue, maman. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Alléluia. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera du tel mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ce qui est intéressant, dans tout ce qu'il a dit, verset 9, il dit, nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Vous voyez? Qui ressuscite les morts, et c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore d'une telle mort. Vous voyez? Donc, dans cette épreuve, Paul, il a compris que ça ne sert à rien que je me confie en moi-même. Et il s'est confié en Dieu, et Dieu l'a secouru. Dieu ne l'a pas abandonné. Vous voyez? Et je veux dire à quelqu'un, sur base de cette thèse que nous avons lue, que même dans le désert, même dans les tribulations, Dieu n'abandonne pas ses disciples. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. On le voit avec Daniel. Je dirais même d'abord avec les amis de Daniel, dans la fournaise ardente, dans Daniel chapitre 3, du verset 15 au verset 27. Si vous lisez chez vous, vous allez voir ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, ces hommes qui ont été pris du pays de Jérusalem, du pays d'Israël, ils ont été amenés étrangers dans un pays lointain, à Babylone, vous voyez, et ils ont été mis au service du roi Nabucodonosor. Eux, ils avaient déjà leur Dieu. Eux, ils connaissaient qu'un seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de...
Jacob. Et ils adoraient le véritable Dieu. Mais ce Dieu, à cause du péché de ce peuple, a accepté que le peuple soit frappé et qu'il soit même allé en exil. Vous comprenez? À cause du péché, Dieu a envoyé ces trois hommes en exil. Mais ce qui est merveilleux avec ces trois hommes, malgré qu'ils ont été amenés en exil, ils n'ont pas abandonné la crainte de Dieu. Ils n'ont pas abandonné le culte du vrai Dieu. Ils ne se sont pas souillés. Ils ne se sont pas mélangés aux autres peuples. Alléluia. Amen. Ils étaient au milieu du peuple, mais ils n'appartenaient pas au peuple. Je dis, ils étaient à Babylone, mais ils n'étaient pas babyloniens. Alléluia. Amen. Dans leur tête, dans leur esprit, ils se disaient toujours, je suis juif, je suis israélien, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de l'Éternel, je suis serviteur de l'Éternel. Même quand ils vivaient à Babylone, et le jour était arrivé où la Bible nous dit que ce roi du nom de Nebuchadnezzar, la Bible dit, il va élever une grande statuette et il va dire à tous les hommes de se prosterner et d'adorer. Ces hommes ont dit, ô roi, sache-le bien, ô roi, nous n'adorerons pas ta statuette. Nous, on ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Le roi se met en colère. Il dit, chauffez la fournaise 10 fois plus. 7 fois plus. Ils ont chauffé. Ils ont tellement chauffé que même ceux qui ont chauffé, ils ont été tués par le feu. La Bible nous dit, la colère était tellement grande. Quand ils ont pris ces hommes, ils ont dit, sache-le, notre Dieu est capable. Mais même s'il ne nous délivre pas quand même, même s'il faut qu'on meure, on ne se prosternera pas devant ta statuette. On préfère mourir pour la crainte de Dieu, pour l'obéissance à la loi de Dieu, que de se souiller, que d'abandonner notre Dieu. Joseph va dire à cette femme que je n'accepterai jamais de me souiller, de pécher contre mon Dieu à cause de toi. Vous comprenez? Ils ont refusé de se souiller. Ils ont refusé de se prosterner devant Baal. Ils ont refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar. On les a jetés dans la fournaise ardente. Quand Dieu est au ciel, le Seigneur regarde. Il voit ces trois hommes qui sont en train de proclamer son nom. Il voit ces trois hommes qui sont en train d'élever son nom. Il voit une grande statue. Parce que ce qui se passait, le ciel était aussi témoin. Le ciel voyait tout. Le ciel savait que Nabucodonosor avait élevé une grande statuette, vous voyez, c'est-à-dire l'idole des nations, et que toutes les nations devraient se prosterner devant cette statuette. Mais pendant que ces trois hommes étaient en train de glorifier leur Dieu, nous n'allons pas adorer cette statuette. Nous adorons l'Éternel. Le ciel a entendu et Dieu s'est levé et Dieu était en train de regarder. Pendant qu'on a pris ces trois hommes, on les a jetés dans la fournaise ardente. Eux-mêmes, ils ont dit, subitement, il y a une quatrième personne qui est apparue. Il était invisible, mais il était là. Mais comme on a mis dans le feu, il est devenu visible. Parce qu'il est le feu dans le feu. Oh my God. Il est le feu qui consume le feu du péché. Il est le feu qui consume le feu de tes ennemis. Il est le feu qui détruit le feu que l'ennemi a mis en place pour te détruire. Il est le feu qui détruit le feu que la sorcellerie a envoyé sur ton chemin. Oh my God. La quatrième personne, j'aime l'appeler la quatrième personne. Il est apparu. Ils ont dit, mais Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu très haut, venez, venez, venez. On voit une personne dans le feu, mais il a l'apparence des dieux. C'est un dieu. C'est le lion de la tribu de Juda, le défenseur des enfants de Dieu, le gardien des enfants de Dieu, le protecteur des enfants de Dieu. Alléluia. Tu comprends, prince Edacia? Quand tu prends le courage, même dans la tribulation, de rester fidèle, de rester obéissant, d'être patient, Dieu y voit que cet enfant a compris et il se lève. Dieu est prêt à déchirer le ciel pour toi.
Dieu est prêt à faire soulever la mer. Dieu est prêt à renverser le monde pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Amen. Oh my God. Il était descendu. L'ancien des jours, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, le feu dévorant qui dévore le feu de Pharaon, le feu de, oh my God, le serpent de Moïse qui dévore le serpent des Égyptiens. Les bâtons de Moïse qui ouvrent la mer rouge en deux. L'ancien des jours, la manne cachée, le pain de vie, le premier et le dernier, le commencement et la fin, la lumière des nations, le soleil de justice, le soleil levant, le roi des rois, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Le seul et l'unique, le premier et le dernier, le number one, le seul sauveur, le seul roi, Jésus-Christ. Amen. Le problème, c'est que malgré ce que Nebuchadnezzar a vu, mais il n'avait toujours pas compris la leçon. Donc il va dire, je vais tenter encore avec Daniel. Il va dire, les gens, les féticheurs, les sorciers, tu vois, qui étaient là, ils étaient devenus jaloux de Daniel. Tu comprends? Comme beaucoup de gens qui veulent que tu abandonnes ta foi. Beaucoup qui disent, regarde, tu continues de prier. Va seulement faire ceci. Et c'est fini. Quelqu'un peut te venir te voir et te dire, moi je connais un monsieur. Il te donne seulement une bouteille. Seulement une bouteille. Si tu bois, tous tes problèmes sont finis. Donc il veut que tu ailles adorer un autre Dieu. Comme on a demandé aux amis de Daniel. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas une bouteille qui résout les problèmes. Il n'y a pas une solution magique. La magie ne résout pas les problèmes. Le fétiche ne résout pas les problèmes. Le maraboutage ne résout pas les problèmes. Les balles et les dagons ne résout pas les problèmes. Alléluia. Amen. Je dis, mon frère, je dis, les dieux de nos familles, les hôtels de nos familles, les incantations de nos familles. Peut-être tu es ici en Europe et ton papa ou ta papa ou ta maman ou ton maman peut t'appeler pour dire, ma fille ou mon fils, tiens, prends ça, mets ça dans ta bouche. Quand tu veux parler avec quelqu'un, mets ça sous ta langue. Le jour où ta langue va se bloquer, ça ne va plus parler. Toi, si tu auras peur de mettre ça désormais. Alléluia. Rien de tout ça là ne marche. Mais il y a un nom. Il y a un nom qui fait fléchir les genoux. Il y a un nom qui brise le joug. Il y a un nom qui détruit la mort, qui détruit les ténèbres, qui détruit l'œuvre de Satan. Il y a un nom qui est apparu au milieu des hommes. Il est écrit que le Fils de Dieu a paru pour détruire, pour décapiter, pour déranger, pour écraser, pour consumer les œuvres des ténèbres. Jésus, on a pris Daniel parce qu'il priait le vrai Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Le monsieur n'a rien fait. À cause de la jalousie, on a monté un complot contre lui. Vous voyez ce que je dis? Donc, des fois, Dieu peut permettre que la sorcellerie même t'attaque. Il laisse les sorciers. Il formate un complot. Il formate le plan. Comment on va faire pour atteindre André? Comment on va faire pour atteindre Dacia? Comment on va faire pour atteindre telle ou telle personne? Vous comprenez? Il formate le plan. Et Dieu les regarde. Dieu les laisse. Allez-y. Il formate le plan. Dieu, il regarde. Maintenant, il voit comment Daniel va faire. La Bible dit, Daniel continuait à prier son Dieu. Ils sont venus, ils l'ont surpris. Ils sont allés dire au roi. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion, mon ami.
Daniel est tombé dans la fosse au lion. Toute la nuit, la Bible dit, le roi n'a pas trouvé sommeil. Il n'a pas trouvé sommeil. Le matin, il a couru, il vient. Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que tu es là? Daniel dit, oh roi, vis éternellement, je suis là. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule au lion. Jésus. Frère, sois tranquille. Même si les grands des œufs débordent, fais confiance à Yehoshua, à Machia. Fais confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à ce Dieu. Il agit encore, il sauve encore, il guérit encore, il secoue encore, il fait encore des miracles. Jésus-Christ est le même. Il est aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Il ne changera pas. Il restera Seigneur. Amen, 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 amen. En fait, le Seigneur m'envoie prêcher l'évangile. Te dit qu'il n'a pas changé. Il fait un corps. Il fait un corps. Corps. Il fait encore des choses. On a pris Daniel, on a jeté. Dieu a laissé que les sorciers, c'était des sorciers, ils ont comploté contre lui. Mais eux-mêmes, ils vont être étonnés. Les sortilèges, les balles, les missiles qu'ils ont balancés contre lui, Daniel n'était pas touché. Les lions regardaient seulement. Waouh, c'est un Dieu. Les lions le regardent. Il est comme nous. Tu sais pourquoi les lions n'ont pas pu toucher Daniel? Je vais te donner une révélation ce matin. Dis-moi, est-ce qu'un lion mange un lion? Est-ce qu'un lion mange un lion? Les lions mangent les antilopes, les gibiers. Quand on a pris Daniel, la Bible dit que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Et nous, nous sommes des lionceaux. Donc quand on a pris Daniel, on a jeté, les lions ont regardé, c'est un grand lion qui est descendu au milieu de nous. C'est le roi lion qui est descendu. Oh my God. Donc les lions disent, c'est l'un d'entre nous, c'est, il est comme nous, il est encore plus beau que nous. Donc il le regardait, il les contemplait, il ne pouvait pas les manger. Mais quand le roi est venu, il a dit, on a fait sortir Daniel et on a pris ceux qui avaient comploté contre lui. On n'a même pas encore fini de les jeter dans la fournaise, dans la fosse aux lions. Les lions sautaient. Je dis au nom de Jésus-Christ que là où tes ennemis ont cru que toi tu seras gibier, Dieu va changer les choses. Toi tu ne seras pas le gibier, c'est eux-mêmes qui seront le gibier, qui vont être mangés par les lions au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon frère, regarde Job. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Job. C'est Satan lui-même qui allait accuser Job. Tout ça, c'est les tribulations, tu vois. Il est allé accuser Job devant Dieu. Il dit à Dieu, tu le protèges. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas toucher ses enfants. Je ne peux pas toucher sa femme ou son mari. Tu es là, tu veilles. Tu as mis une muraille autour de lui. Donc je ne peux pas le toucher. Dieu va lui dire, d'accord. Je te laisse tous ses biens. Touche à ses biens. Satan vient. Regardez bien. Il touche les enfants de Daniel et de Job. Il touche l'argent de Job. Il touche les biens de Job. Il touche tout ce qui appartient à Job. Même ses propres enfants. On est venu l'annoncer à Job. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Le pire, c'est quoi? Ses enfants étaient morts. Tous ses enfants. Tous. Je dis bien, tous. Tous étaient morts. Il a perdu toute sa richesse. Tout. Lui qui était le plus riche de son temps, il est devenu le plus pauvre. Vous comprenez ça? C'est fort, hein? Mais cet homme n'a pas dit rien de mal. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Satan voit, il est étonné. Et c'est ce que Dieu veut de toi et moi. Ne donne pas cette occasion au diable de dire à Dieu, j'avais raison.
Vous comprenez? Reste ferme. Vous m'entendez ce soir ou ce matin plutôt? Reste ferme. Tu vas voir la fin, ce que Dieu a fait pour Job. Il est retourné encore vers Dieu, Satan, pour dire, regarde. Dieu va lui dire, tu m'as poussé à te le livrer. Mais il a gardé sa justice. Il va dire à Dieu, un homme, c'est peau pour peau. Touche seulement à sa peau, tu vas voir, il va te maudire. C'est là que Dieu m'a dit, je te livre je te livre lui-même. Seulement ne le tue pas, en fait. Donc, Satan est venu, il a mis une maladie dans son corps. Job est tombé malade. Il sait partout, les plaies partout. Sa femme lui dit, toi, maudit Dieu, ce Dieu-là. Tu vois? Maudis-le à mort. Et meurs. Viens, on va aller chez un féticheur. Mais Job dit, non. Tu es insensé. Job n'a pas désobéi à Dieu. Job n'a pas abandonné sa justice. C'est ça, en fait. C'est ça la clé. Job n'a pas abandonné sa justice. Vous comprenez? Je répète, Job n'a pas abandonné sa justice devant Dieu. Il est resté juste. Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté obéissant devant Dieu. Vous voyez ce que je dis? Job est resté juste. Il n'a rien dit de mal de Dieu. Il n'a rien dit en mal sur Dieu. Amen. Et la Bible dira, quand Dieu va se lever pour le récompenser, tout ce qu'il avait perdu, il va lui redonner au centuple. Vous voyez? Et Job, il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Je me dis à quelqu'un, même dans cette situation, bientôt tu verras Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis que bientôt tu verras Dieu. Alléluia. Amen. Bientôt tu verras mon Dieu. Aujourd'hui, amen, je te dis, bientôt tu verras mon Dieu. Il est aussi ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras mon Dieu. Tu verras aussi celui qui est ton Dieu. Tu verras Dieu venir à ton secours. Bientôt, tu vas le voir. Et tu vas dire comme Job, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, Yahweh. Mais maintenant, mes yeux, I see you, God. I see you now. Tu vas dire, Seigneur, je te vois, je t'ai vu. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu agissais. Parce que quand le Dieu des armées va se lever dans ton corps, dans ta situation, il va semer le débandade, il va semer la confusion, il va semer le désordre dans le camp de tes ennemis. Amen, 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 amen. Quand il va se mettre à combattre pour toi, quand il va se mettre à combattre les démons qui dérangent ta vie, quand il va se mettre à les pourchasser la nuit comme le jour, les sorciers qui travaillaient contre toi, quand la nuit ils vont manquer de sommeil, quand la journée ils vont faire la diarrhée, il n'y aura pas de pause. Ils vont dire, où est-ce qu'elle prie? Ils vont dire, où est-ce qu'elle prie? Il y en a même, ils vont rien te dire. Ils vont rester tranquilles dans leur coin. Mais ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'ils ont souffert. Ils ne vont pas témoigner. Ils ne vont pas témoigner. Mon frère et ma soeur. Il y a beaucoup de choses. Dieu peut. Il y a même des personnes de ta propre famille, de ton entourage. Le Seigneur peut se servir pour t'éprouver. Comme on voit avec Joseph. Vous voyez, Joseph lui-même. Ce qui m'a le plus touché, c'est même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ses propres frères, la Bible dit, ne croyaient pas en lui. Ses propres frères le combattaient. Ses propres frères, même je peux dire, même mère. Vous voyez, des gens avec qui il a grandi. Il était leur grand frère à la maison. Mais il ne croyait pas au grand frère. Il ne respectait pas le grand frère. Il ne respectait pas l'aîné. Il le méprisait. Parce que Jésus faisait des choses qui étaient hors sens. Jésus était comme un fou en son temps, en fait. Il allait à contre-sens. Donc personne n'était d'accord avec lui. Ses propres frères.
Vous voyez ce que je dis? Ses propres frères, Joseph, ses propres frères vont se lever à le vendre. Pour aller le vendre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dans les plans et les projets qu'ils ont formatés contre lui, Dieu était avec Joseph. Même en Égypte, en esclavage, même en prison, Dieu était avec Joseph. Et je vais dire à quelqu'un que le Dieu qui a donné la vision, ce Dieu-là est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il accomplira la vision. Il accomplira la promesse. Il accomplira ce qu'il t'a dit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, crois-le, ne doute pas dans ton cœur, n'abandonne pas cette parole, n'abandonne pas Jésus-Christ, continue de t'attacher à ce Dieu, même dans les tombeaux, parce que la Bible m'a dit que Jésus, il a souffert jusqu'à la mort de la croix, il a été rejeté et abandonné des hommes, mais Dieu, le Dieu qu'il a invoqué à Gethsémané, dans ses souffrances, dans ses tribulations, dans ses épreuves, ce Dieu va le ressusciter le troisième jour. Le premier jour, les gens ont pensé que c'était fini pour l'homme de Galilée. Ils ont fait la fête entre eux. Ils se sont invités. Les pharisiens ont fait la fête. Il y en a qui ont tué des bœufs. Ça, ce n'est pas écrit. Mais ça, c'est moi qui je suis en train de comprendre que c'est comme ça ils ont fait. Il y en a, ils ont tué des moutons. Ils ont fait la fête. Ils se disaient, franchement, cet homme-là, il nous dérangeait. Voilà. Maintenant, on va voir qui va encore guérir. On va voir ce maudit là. Ils ont fait la fête. Venez, on va manger. Ils se sont invités entre eux. Tu m'entends, prince? Ils se sont invités. Ils ont mangé. Ils ont fait la table. Premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, un autre, ils ont invité. Ils ont bu du vin. Ils ont mangé. Il y en a, ils ont invité des femmes. Ils ont fait la fête. Rien ne s'est passé le troisième jour. Le troisième jour, très tôt le matin, pendant que les ennemis dormaient, l'homme de Galilée était déjà sorti du tombeau. Oh my God. Amen. Frère, si le premier jour, tu n'as rien vu, sois calme. Alléluia. Amen. Sois calme. Même deuxième jour, prince, rien. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Dieu se lèvera et il agira, il jugera sévèrement tes ennemis. Dieu te fera justice, Dieu viendra te secourir, alléluia. Amen. Dieu viendra te secourir. Amen, amen. Oui, mon frère, on va se lever, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, même dans les combats, je n'abandonnerai pas. Au contraire même, je garderai la foi. Je resterai obéissant à Dieu. Je serai un homme patient. Je serai une femme patiente. Alléluia. Prie le Seigneur, demande à Dieu de te donner la force. De te donner ce cœur patient. De te donner la force. Et pendant qu'on prie, on va mettre le panier au nom de Jésus également. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'abandonnera pas, je te dis, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur Jésus-Christ, je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ est vivant. Il est très, 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 très vivant. Dieu veut fortifier ton esprit. Mon Dieu, ton Dieu vient fortifier ton esprit, your spirit. Ce matin, Jésus vient fortifier ton esprit. Jésus vient donner la vigueur. Il vient donner le courage. Que même dans les épreuves,
tu es fort, tu es forte. Il est écrit que le faible dise que je suis fort, que le faible dit que je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Ce matin, le Dieu des cieux, il vient t'enrichir, il vient te fortifier, il vient te donner la vigueur, il vient te donner le courage, il vient te donner l'énergie. Même quand Satan se lèvera contre toi, n'aie pas peur. Dis que je suis comme Job. Dis quand je dis que je vais ressusciter. Même si on te met dans la fosse lion, dis que je suis comme Daniel. Dis que Dieu me sauvera. Dis que je suis un lion. Le lion ne peut pas me manger. Et que le lion de la tribu de Juda, il va fermer la queue au lion. Dis que même si on me met dans la fournaise ardente de feu, la quatrième personne, il sera avec moi. Même si on m'a amené en Égypte, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, il sera avec moi. Même si on m'emmène en Égypte, le Dieu de mon père, il me sortira des prisons, il me sortira de tout esclavage, il me sortira de tout esclavage. Le Dieu de mon père, 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 le Dieu. Oui. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même dans les épreuves, Jésus sera là. Jésus sera là. Jésus est là. Jésus est là avec toi. Jésus est avec toi. Oui. Oui, mon frère, ma soeur. Il est là, il est là, il est là. Reçois la force ce matin. Reçois la puissance. Je prie que ton esprit reçoive la force. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu dans ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit soit puissamment saisi. Que ton esprit soit puissamment saisi. Que ton esprit soit puissamment saisi ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis ceux qui étaient connectés. Je prie que le Dieu qui délivre, le Dieu, Seigneur, qui sauve, Seigneur, les visite et les libère. Seigneur, au nom de Jésus, si quelqu'un était dans une fournaise ardente, comme les amis de Daniel, je prie que la quatrième personne, Seigneur, que cette quatrième personne apparaît, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus, et qu'il éteigne le feu, qu'on ne voit même pas l'odeur du feu sur leurs vêtements, au nom de Jésus-Christ, et que leurs ennemis soient consumés, que le feu dévore les ennemis, au nom de Jésus. Si on a placé une personne, Seigneur, dans une fosse lion, oh, je prie que, Seigneur, mon frère, ma soeur, devienne un lion, une lionne, au nom de Jésus-Christ, et qu'aucun lion ne puisse la toucher. Nous fermons la gueule au lion de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous prions que les ennemis soient dévorés par leur propre lion au nom de Jésus. Seigneur, je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Si, Seigneur, tu as mis ton peuple, ton enfant, une personne dans une école pour enseigner quelque chose, je prie que tu donnes la force, Seigneur, au nom de Jésus. Tu fortifies l'esprit. Tu amènes la joie. Même dans les épreuves, comme la Bible dit, la joie du Saint-Esprit, la joie dans les cœurs, que Seigneur le trouble, la confusion, l'oppression cesse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce qui était insupportable devient supportable. Ce que le pauvre ne pouvait pas porter, maintenant, Seigneur, ce ne sera plus l'homme qui va porter, mais je prie que Dieu le porte, que le Saint-Esprit le porte, Seigneur, au nom de Jésus, dans la vie de mon frère et de ma soeur, que je bénis, que la grâce de Dieu accompagne chaque personne, au nom de Jésus, même ceux qui sont en ligne, soyez bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon dimanche à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini, nous avons